Salut YouTube! L'autre jour, il y a mon gamin qui est venu pour me faire écouter une musique. Tiens, papa, écoute ça. C'est marrant parce que j'ai écouté l'intro et j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. Pourtant, c'est l'électropop, ça devrait pas, mais je sais pas, j'étais envahi d'une espèce de mélancolie et l'envie de pleurer. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment sympa, ouais. C'est quoi? Bon, coupé. Et t'es en route pour les Oscars, toi? C'est pas possible! Je trouvais ça hyper bizarre d'être touché par cette musique, d'avoir toute cette émotion qui me venait. En plus, quand je l'écoutais, je voyais une nana dans une vieille bagnole sur une grande route américaine. J'ai cherché et j'ai trouvé. En fait, ça me faisait penser à la scène finale de la 5e saison de Six Feet Under. Je me souviens d'avoir tellement pleuré pendant cet épisode. Non, pas pleuré. J'ai chialé ma race pendant cet épisode. Donc je suis allé sur internet pour voir qui est à l'origine de cette musique. Et j'ai été hyper étonné de voir que c'était Breath Me de Sia. Et Madeleine de Proust dans la Madeleine de Proust, je me souviens que je m'étais fait la réflexion que c'était un putain de plagiat de Philip Glass et son Metamorphosis One. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Pour la petite histoire, Sia n'est pas dans une forme olympique à cette période. Elle est pourtant connue et reconnue par les plus grands comme étant une machine à tubes. Elle compose pour Rihanna, Britney Spears, puis plus tard David Guetta. Mais c'est pas la grande forme. Donc elle compose cette chanson en quelques minutes, elle la pose sur un multipiste avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir en quelques minutes aussi. Il y a des souffles, des râles, la voix un petit peu pleine de détresse. Et c'est ça justement qui est joli, c'est qu'on sent sa détresse. D'ailleurs, quelques heures plus tard, elle va essayer de mettre fin à ses jours en bouffant des médocs. Heureusement, elle va se louper et va devenir la star qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est quelqu'un que je trouve hyper touchant. Et cette musique me touche justement parce que cette détresse, on la prend en pleine gueule, quoi. Et toi, t'avais remarqué ce sample? Non, mais c'est pour faire comme Sia, tu sais. I'm gonna swing from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist.